Salut, salut les amis, c'est Fut4Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE Live avec le défi honnêteté les amis pour récupérer un pack joueur rare mélangé et en plus il est vendable, donc c'est cool. Vous allez voir, il n'est pas compliqué du tout ce défi là, il fallait 3 joueurs d'un même championnat minimum. On est parti sur un championnat full Mexique, 4 pays minimum, 6 joueurs d'un même club maximum, un joueur rare, une autre générale à 75, un collectif à 90. Les joueurs or sont environ entre 700 et 800 crédits, donc on va compter 800 pour être au max, ça fait 8000. Et après vous prenez n'importe quel défenseur gauche bronze, vous allez le payer à 200 et ça ira très bien. On peut gratter également si vous le souhaitez. Par exemple, vous voyez, on retourne dans le championnat mexicain et vous pouvez mettre n'importe quel joueur bronze à la place d'un autre joueur or, par exemple lui, et on est bon. Vous voyez, bon, on a pris un collectif mais c'était pas voulu, peut-être selon qui vous prenez ça revient exactement au même. On est encore à 76 de collectif, donc on peut gratter encore du mieux. Allez, lui on va le prendre. Allez, là on tombe à 75 et on est encore toujours bon, donc on a gratté déjà 400 crédits. On a gratté déjà 800 crédits. On peut regarder s'il n'y en a pas un autre qui traîne. Allez, 1,61. Si on fait ça, on est à 74, donc ça ne fonctionne plus. Mais voilà, je vous ai expliqué le principe. Vous continuez jusqu'à ce que vous n'ayez plus la note. Donc voilà les amis. Ce défi-là coûte 800 crédits par joueur. Or, il y en a 2, 4, 6, 8. 8 x 8, 64. Ça fait 6400 crédits. 7000 crédits pour ce défi-là. Bien sûr, pour les joueurs bronze, vous ne prenez pas les mêmes joueurs que moi, bien entendu. Vous faites ça avec le championnat que vous voulez. Un championnat pas recherché, parce que si vous prenez en première ligue, par exemple, les joueurs bronze coûtent plus cher que les or. Donc, aucun intérêt. En Turquie, ça peut fonctionner. Au Mexique, ça fonctionne bien. Sûrement au Portugal, ça doit fonctionner également. Enfin, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Allez, c'est parti, les amis. On commence avec Joel Garcia, Luis Rodriguez, Luis Gamiz, Fernando Goriaran, Ivo Vasquez, Angel Meña, Victor Guzman, Carlos Rodriguez, Jefferson Soteldo, José Juan Macias, et on termine avec Rogelio Funes Mori. On est à 93 de collectif, on n'a aucun joueur paquet, on valide et on va aller ouvrir ce fameux pack qui est vendable, donc on va... on va pas forcément se rembourser parce qu'il y a des bronzes et d'argent, donc ça coûte pas forcément 800 crédits, mais avec un peu de chance dans les 4 joueurs rares or, il y aura une grosse anime. On va voir savoir ça de suite. Et grosse anime les amis, français MDC N'Golo Kanté. Bon ben là les amis, on est plus que remboursé, c'est plutôt cool. On a Kanté, est-ce qu'on a quelque chose de sympa derrière? J'en sais rien, non, on n'a rien d'autre, mais on est sûr de se rembourser. Il fait 60-50 000 crédits, donc lui c'est sûr et certain, on se rembourse. Voilà les amis, pourquoi il faut toujours tenter de faire des SBC, et encore on est à la fin du jeu, si on avait chopé ça la première semaine du jeu, on se faisait 500 000 crédits, ça aurait été tout bénef. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. On va s'ouvrir le pack de prévisualisation qu'on a oublié hier. Hop, c'est parti. Si on n'a rien, on skip. En tout cas, voilà les amis. Le prochain pack opening, je pense que ce sera courant mai. Je vous tiendrai au courant avec tous les packs. J'espère que j'en aurai une centaine, voire plus. A très vite les amis. Prenez bien soin de vous. Ciao et merci.